Elle sera finalement restée fermée une semaine pour raisons économiques. La piscine Montboron de Versailles a rouvert ses portes ce lundi 12 septembre. La ville a réussi à trouver un accord avec le délégataire de la piscine Vermarine, comme l'a annoncé le maire de la commune, François de Mazières. Heureux de vous annoncer que Vermarine m'a informé rouvrir la piscine Montboron ce lundi. La ville de Versailles achètera le gaz et l'électricité nécessaires via les contrats qu'elle a conclus avec ses fournisseurs d'énergie pour les revendre au même montant à Vermarine. Un accord qui soulage financièrement le délégataire du site qui a acheté l'énergie pour chauffer la piscine selon les prix du marché du moment. Dans ces conditions, la piscine peut donc rouvrir et ils étaient nombreux devant la structure ce lundi matin. Il y avait notamment ce groupe d'étudiants et leurs professeurs. Ça me fait extrêmement plaisir. Hein. Moi, je viens très souvent ici, dans le sens où j'habite à Versailles et je passe beaucoup de temps. Et le fait qu'elle a été fermée, ça m'a vraiment fait quelque chose au cœur. C'est assez embêtant puisqu'on ne pouvait plus s'entraîner avec les gars. Du coup, là, c'est cool, on va pouvoir reprendre. Et puis, on a vu ça, aujourd'hui, on a eu l'information ce matin. Donc, c'est super sympa, c'est cool. J'étais content, un peu surpris. Je pensais que ça allait durer plus longtemps, la fermeture. Et puis voilà, les choses se sont produites. Les accords entre la ville et Vermarine seront valables au minimum jusqu'à la fin de l'année 2022. Plusieurs piscines sont encore fermées dans les Yvelines comme Mantes-la-Jolie ou encore Conflans-Sainte-Honorine.